À la mort du prince Philippe, le titre de duc d'Édimbourg est hérité directement par son fils aîné, le prince Charles. Cependant, beaucoup de spéculations ont eu lieu sur le fait que le prince Charles fera don de ce titre à son frère après son couronnement en tant que roi. Mais selon Dicky Arbiter, ancien attaché de presse du palais de Buckingham, le titre ne sera pas attribué au prince Édouard avant 2029. Arbiter a déclaré au Sun à ce propos que, cela ne se produira pas immédiatement, mais d'ici 2029, quand Édouard aura 65 ans, cela se produira. Toutes les actuelles spéculations autour de ce don de titre ont comme origine une déclaration de 1999. À cette époque, Buckingham Palace avait annoncé qu'Édouard succédera à son père, mais en temps voulu. Une source proche du prince Charles a déclaré au Times que le prince est le duc d'Édimbourg et c'est à lui de décider ce qu'il adviendra du titre. Il n'ira pas à Édouard. Par ailleurs, un autre expert royal rejoint cette même idée en affirmant qu'Édimbourg n'ira pas à eux, les Wessex, dans la mesure où le prince est concerné. Bien sûr, cela dépendra de la décision du prince de Galles, lorsqu'il deviendra roi selon Dicky Arbiter, il est temps que les spéculations, sans substance, cessent. Quant au prince Édouard lui-même, il s'est vu décerner le titre de comte de Wessex après son mariage avec Sophie Rhys-Jones en 1999. À propos de toutes ces spéculations, Édouard a déclaré, c'était bien en théorie, il y a longtemps, quand c'était une sorte de rêve chimérique de mon père. Il a également précisé que la décision reviendra à son frère quand ce dernier sera roi.